Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». Une émission qui ne va pas nécessairement dans le sens d'une montre ou d'une horloge, mais qui va dans le sens de vos besoins spirituels. Et dans quelques instants, je m'entretiendrai avec vous sur le sujet « Face à un monde qui change ». Et la chronique de livre sera présentée aujourd'hui par Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous sommes très heureux de revoir parmi nous la chanteuse Dominique Charland, qui est accompagnée d'Alain Audette au saxophone. Ils seront des nôtres un peu plus tard au cours de l'émission. Et nous vous offrons de la documentation. C'est trois choses en réalité. La plus précieuse des trois, je pense qu'il faut commencer avec bonne nouvelle aujourd'hui. C'est la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, en français moderne. Demandez-le tout de suite pendant l'émission. C'est gratuit. C'est un cadeau de la Société biblique canadienne. Et un livre que nous vous offrons par Gaston Racine, « Le Christ inconnu ». Et dernièrement, Pierre Tremblay, qui s'occupe d'envoyer ses livres, en a demandé une autre boîte bien, bien pleine. Alors, il y a une certaine quantité. Il y a aussi les leçons de Marie. Vous allez voir, les leçons de Marie sont demandées encore bien, bien souvent par les gens. Et il nous fait plaisir de faire parvenir une copie à ceux qui ne l'ont pas. Maintenant, vous pouvez regarder les numéros de téléphone. Ils vont paraître. Les voilà. Edmonton, c'est 403-449-5291. Grande Bay, 514-375-4575. Montréal et la Rive-Sud, c'est le 514-467-9966 et Sherbrooke, 819-566-6946. Donc, gardez bien ces numéros et plus que ça, composez-les, appelez-nous et demandez notre documentation. Nous saurons que vous voulez recevoir le Christ inconnu. Vous pouvez demander aussi le Nouveau Testament et les leçons de Marie. C'est gratuit. Et nous avons le plaisir maintenant d'écouter, d'entendre une chronique de livres. Ce n'est pas à toutes les émissions, mais à toute la Bible en parle, oui. Et c'est Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible que nous écoutons maintenant. Et merci. Ça me fait plaisir d'être accueillie comme ça. Aujourd'hui, le thème, c'est « Face à un monde qui change ». Pour plusieurs, c'est insécurisant de vivre dans un monde où tout est instable. On pense à la politique, la famille, la vie de couple, l'environnement, l'économie et j'en passe. Mais aujourd'hui, j'ai retenu deux sujets, l'environnement et les rôles sexuels. Le premier livre, c'est « L'environnement et le chrétien ». C'est un ouvrage collectif rédigé par Calvin B. DeWitt aux éditions La Clairière. Les auteurs partagent leur inquiétude devant la dégradation des conditions de vie sur la Terre. Ils parlent entre autres de la disparition des espèces, le pillage des ressources naturelles, la gestion des déchets toxiques, etc. Ils se réfèrent à des recherches sérieuses et s'inspirent des Écritures pour mieux comprendre le mandat qu'on a reçu de Dieu de gérer la Terre. Quand j'ai regardé la table des matières, je me suis dit « ça va être un livre flyé à lire ». Mais non. En le feuilletant, j'en ai lu quelques chapitres. C'est un livre qui est facile à lire et puis ça nous amène quand même sur des bonnes pistes de réflexion sur l'environnement. Le deuxième livre, je vais commencer par vous présenter l'auteur. Leanne Payne, c'est une auteure très appréciée. Elle a un puissant ministère de guérison. En 1981, elle a fondé un ministère qui s'appelle Pastoral Care Ministry. Et en plus, pour ceux qui apprécient particulièrement les livres de C.S. Lewis, elle a collaboré avec un spécialiste de ses œuvres. Et ça paraît dans son livre qui est intitulé « Crise de la masculinité » qui se vend aux éditions Raphaël. Dans son livre, il est parsemé d'extraits des œuvres de C.S. Lewis. Pour vous donner une idée du contenu, voici la table des matières. « Quand un homme marche à côté de lui-même, un homme en crise », l'histoire de Richard, « Crise de masculinité sans névrose sexuelle »,« Qu'est-ce que la masculinité ?»,« Polarité et complémentarité des sexes »,« Une femme en crise », l'histoire de l'épouse de Richard. Ce que j'aime de Leanne Payne, c'est qu'elle nous présente Dieu comme étant l'auteur et le créateur du féminin et du masculin. Elle invite le lecteur aussi à être à l'écoute de Dieu
et à se réconcilier avec les parties de son identité dont il s'est séparé. C'est un livre qui est écrit avec beaucoup de sensibilité. C'est un livre qui s'adresse aux hommes, mais aussi aux femmes. Notre numéro de téléphone, si vous voulez en savoir plus, c'est le 465-0445. Prenez-le bien en note. C'est le numéro de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et ces deux livres-là sont disponibles chez nous, mais vous pouvez aussi les commander ou aller les chercher en librairie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Lise Valcourt. C'est intéressant que ce soit une femme qui écrit, qui écrit sur la masculinité. D'habitude, c'est des hommes qui écrivent sur la féminité des femmes. Et là, pour une fois, bien, ça fait du bien. C'est différent. Ça pique vrai. Notre curiosité, puis... Oui. Je devrais le lire, n'est-ce pas? Mais je peux dire que ça a été un excellent vendeur. Là. Dès qu'il est sorti, là, ça s'est vendu. Ouais. Ouais, c'était très, très intéressant. Merci beaucoup encore une fois et revenez-nous bientôt. Plaisir. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est le temps maintenant de regarder dans la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir le livre de Dieu. J'aime à l'appeler comme ça. Et je vous rappelle au tout début que le but de l'émission, c'est toujours de prêcher l'Évangile dans toute sa pureté, dans sa simplicité, afin que des cœurs d'hommes, de femmes et d'enfants se tournent vers le Seigneur. Et comme aurait dit Gilles Tremblay, notre invité de la semaine dernière, le but de l'émission, c'est que Dieu veut faire de chacun de vous des hommes et des femmes réussis. Alors, c'est ça le but, je pense, des émissions « Toute la Bible en parle ». Et je vais mettre ma Bible devant moi. Et puis, vous allez pouvoir suivre dans quelques instants, vous aussi, dans la Bible qui est juste à côté ici. Et nous allons regarder des versets ensemble et comprendre ce que le Seigneur voudrait nous enseigner. Il est réconfortant de savoir que certaines choses ne changent pas. Et j'aimerais que vous puissiez le lire de vous-même. Regardez bien dans la Bible avec moi ce que Dieu dit sur quelque chose qui ne change pas. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Ça rentre tellement bien avec la chronique de livres que nous venons d'entendre. Et regardez bien ce verset ici dans la Bible. C'est dans Hébreux, dans le dernier chapitre, le verset 8, qui dit ceci. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » Mais surtout ce verset, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » On a aujourd'hui toutes sortes de gadgets. J'en ai moi aussi à la maison. Ils sont tellement utiles. On se demande des fois qu'est-ce que je faisais avant d'avoir un ordinateur ou avant d'avoir un téléphone où on ne fait même plus attention. La technologie de la décennie nous a apporté toutes sortes de choses, à commencer par les télécopieurs, les téléphones cellulaires, les baladeurs, les disques compacts, les VCR de toutes sortes, les répondeurs automatiques, les divertisseurs d'appels. Il y a même des agences, des services d'agences matrimoniales. On peut trouver de tout. Les ordinateurs divers et puis aussi Internet, et j'en passe. Il y a tellement de choses. Le monde change de peau constamment. J'ai acheté un ordinateur il y a à peu près un an et demi et déjà, il est vieux. C'est vieux, ça, quand on parle d'informatique, n'est-ce pas? Et c'est un monde, c'est une image de notre monde. Et c'est l'histoire qui se répète. Des générations se succèdent. Et quelquefois, le héros d'un jour est le zéro du lendemain. Ça ne dure pas longtemps, la gloire, souvent. Tout doit être réparé, reconstruit. Tout s'écroule, même la religion. Dans bien des endroits, on le sait bien. Où est votre soutien, votre affection? Aucune génération avant nous a connu une telle accélération. Et la plupart des pays de l'Est ont traversé le mur vers l'Ouest. On a vu ça. Peut-on dire aujourd'hui qu'on connaît quelque chose profondément? Où est la stabilité? On a parlé un petit peu la semaine dernière avec notre invité, Gilles Tremblay, de la stabilité, une des plus grandes qualités qu'on retrouve en devenant chrétien, en naissant de nouveau dans la famille de Dieu, c'est qu'on retrouve de la stabilité. Et ça, c'est quelque chose. La Bible nous parle du roc, nous parle du fer, nous parle de la sécurité que nous trouvons en Dieu. Où est la stabilité, justement, la sécurité de nos jours?
Trop de réponses nous sont données qui sont gratuites ou faciles. Il faut regarder dans la parole de Dieu. J'aimerais vous suggérer quatre affirmations rassurantes qui nous viennent de la parole du Seigneur. Lorsqu'on le connaît, il y a quatre choses qu'on peut dire avec certitude. La première, c'est « Je connais une personne ». Connaissez-vous cette personne? Et j'aimerais vous inviter à regarder directement dans la Bible. Il est question de cette personne. « Je connais une personne ». Alors, nous regardons ici dans la deuxième épître de Paul à son ami Timothée au verset 11. Il écrit « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, dit l'apôtre Paul, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. » C'est surtout ça que j'aimerais souligner. « Je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. » Mon dépôt, il s'agit ici du salut que nous avons obtenu en Jésus. Il a la certitude que Jésus peut garder son dépôt, son salut, jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire jusqu'au jour où nous allons, où l'apôtre Paul va paraître devant Dieu. Alors ça, c'est une chose qui ne change pas. Je connais une personne. La foi chrétienne n'est pas mettre sa confiance dans une déclaration, dans un credo quelconque, mais c'est de mettre sa foi dans une personne. Et cette personne n'est nulle autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Où pourrait-on trouver le Seigneur Jésus-Christ, sinon dans la parole écrite de Dieu que nous avons ici? On pourrait connaître les pratiques de son Église par cœur. On pourrait aussi connaître toutes les prières. Mais ce qui compte vraiment, c'est de connaître la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Église. Il est le chef de l'Église. De quel chef est-il question? Certaines églises changent, s'adaptent, se modifient, s'ajustent au temps moderne. Seulement Jésus peut dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus demeure le même. Il est le chef de l'Église. Il a toujours le même amour. Il a toujours la même tendresse, la même compassion, la même miséricorde pour vous. Ce n'est pas suffisant de connaître le psaume 23. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce merveilleux psaume de l'Ancien Testament qui commence avec les paroles « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger. Il n'est pas suffisant de connaître le psaume 23, mais nous devons connaître le berger. L'Éternel est mon berger. Vous avez peut-être entendu parler de la petite fille. C'est une petite anglophone, donc je vais le dire en anglais et je vais traduire après. Elle citait le psaume 23 déjà à l'âge de 4 ou 5 ans. Elle l'avait mémorisé. Et en anglais, l'Éternel est mon berger, comme vous savez, c'est « The Lord is my shepherd ». And that's all. Faut que je le dise comme il faut, là, parce que je vais manquer. The Lord is my shepherd, I shall not want. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Elle disait plutôt, The Lord is my shepherd, and that's all I want. L'Éternel est mon berger, c'est tout ce que je veux. Elle avait compris ce verset-là comme ça. Puis en pensant à cette petite fille de 4 ou 5 ans, je me dis, c'est tellement vrai. Le Seigneur remplit, Dieu remplit notre être complètement et il nous donne cette sécurité dont nous cherchons tant. Et la deuxième chose, j'ai fait une expérience, j'ai vécu quelque chose. Et ça nous amène à regarder le troisième verset des Saintes Écritures. Et ce verset se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9 et le verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. » Imaginez-vous, il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, « S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » La foi chrétienne n'est pas mettre sa confiance dans une personne, mais c'est de mettre sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. On ne le répétera pas jamais assez. Aujourd'hui encore, certains ridiculisent l'expérience de la nouvelle naissance. Mais Jésus insiste que l'être humain doit naître de nouveau. Naître est une expérience extraordinaire, inouïe, une expérience qui donne la vie au sein de ce monde bouleversé et frustré.
Vous pouvez devenir sûr de vous et sécure et savoir que cela vous vient de Dieu. Vous pouvez connaître une paix qui surpasse toute intelligence. La troisième chose, vous pouvez dire, j'ai l'assurance. La Bible dit dans l'Ancien Testament, le sage Salomon, « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu », nous dit ce roi Salomon. C'est un verset qui ressemble beaucoup à un autre verset du Nouveau Testament qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Comme Yolande, mon épouse, me dit souvent, « Fernand, Dieu ne fait pas d'erreur ». Dieu ne dit pas « tout ce qu'il y a dans le monde est bon » ou « tout ce qui arrive aux chrétiens est bon ». Il dit plutôt « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». La vallée se fonde avec les montagnes, la nuit se transforme en jour. Et je peux dire « je connais une victoire éternelle ». Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera au dernier jour. Je sais qu'il est là et qu'il est pour moi. Et d'un des plus vieux livres de la Bible, sinon le plus vieux livre de la Bible, le plus ancien, met en lumière la rédemption et l'assurance de la vie éternelle. Il est question ici d'un Rédempteur qui est vivant. Il a vaincu la mort. Et la Bible, même dans l'Ancien Testament, parle de son retour. Le Seigneur va revenir. Et je sais qu'il y a bien des chrétiens qui m'entendent présentement, qui vont se réjouir en m'entendant prononcer ces paroles en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ. Comme il est venu la première fois, il va revenir chercher ses enfants. Et il se lèvera le dernier sur la terre, nous lisons. Sommes-nous, peut-être, dans la décennie du retour du Seigneur Jésus-Christ? Plusieurs millions de personnes dans le monde n'attendent pas la fin du monde, comme il y a des prophètes de malheur voudraient nous faire accroire. Ce que nous attendons lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ d'une façon réelle dans notre vie, c'est son retour pour le bonheur, la félicité. Pas vrai? C'est pour ça qu'on l'attend, le Seigneur. C'est pas pour le malheur, mais pour celui qui est loin de Dieu. Il peut être effrayé parce qu'il y a aussi un jugement dont nous parle l'Écriture. Dans un monde agité comme le nôtre, aucun succès financier ou prestige social ne peuvent donner autant d'assurance que ces deux choses. Notre Rédempteur est vivant et il revient bientôt. Et en conclusion, deux décisions s'imposent. Premièrement, se confier sans réserve dans un Sauveur qui restera toujours fidèle à lui-même. Et deuxièmement, demeurer ferme dans la vérité de la parole de Dieu. Quelle est votre décision aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire « je connais une personne, j'ai l'assurance » Est-ce que vous pouvez dire que vous allez vous confier sans réserve en lui? Il va vous prendre en main tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de refaire votre vie. Vous venez tel que vous êtes. C'est lui qui vous donne des habits nouveaux, qui change votre vie. Il vous donne une vie nouvelle. Eh bien, pour trouver toutes ces bonnes choses dont nous parle la parole de Dieu, il y a le livre par excellence, et moi j'ai une Bible, vous avez vu la grande Bible qui est là, et ici c'est une partie de la Bible qui s'appelle « Bonne nouvelle aujourd'hui ». C'est tout autant la Bible que qu'est-ce qu'on vient de lire, sauf que c'est écrit, c'est une traduction qui est facile à lire, aussi facile que votre journal préféré. Alors nous vous montrons ce livre, « Bonne nouvelle aujourd'hui », vous pouvez en faire la demande, il est à vous, c'est gratuit. Nous avons aussi en même temps le Christ inconnu qui nous aide à connaître le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Demandez-le. Demandez les deux, si vous voulez, et nous vous ferons parvenir ces ouvrages. Et si vous ne possédez pas les leçons de Marie, nous en avons encore une certaine quantité. Nous pouvons vous les faire parvenir. Vous avez le temps de regarder les numéros de téléphone qui paraissent à l'écran. Notez-les bien. Ils vous serviront durant l'émission et aussi souvent après l'émission. Le téléphone sonne à toutes les heures de la journée, même la nuit. Il m'est arrivé de me lever la nuit, et même si je n'entends pas parler les gens, j'entends une petite sonnerie, et je dis, « Seigneur, bénis cette personne qui appelle. » Si vous voulez que je prie pour vous, vous pouvez appeler. Lorsque j'entends le téléphone, si je suis près de l'appareil, je vais avoir une pensée spéciale. « Seigneur, bénis cette femme, bénis cet homme, cet enfant qui appelle pour avoir de l'aide spirituelle. »
Eh bien, nous avons quelque chose de bien là, qui s'en vient dans quelques instants à l'émission. C'est Dominique Charland qui va chanter. Il est accompagné d'Alain Audette au saxophone. Et elle va nous parler du roi serviteur. Il a laissé la gloire de son ciel. Elle va nous chanter. Il est venu pour servir, donnant sa vie pour nous sauver. Alors, s'il vous plaît, nous écoutons ce beau message de paix maintenant. Merci beaucoup, Dominique Charland et Alain Audette. Il y a quelque chose dans ces chansons-là que j'expliquerais comme une onction qui nous calme, qui nous fait beaucoup de bien, comme un baume dans nos cœurs. Alors, est-ce que vous allez nous revenir la semaine prochaine? OK, on vous attend avec joie, avec plaisir. Et on veut remercier aussi aujourd'hui Lise Valcourt qui était là parmi nous avec la chronique de livres et
Ce message, j'espère, est allé droit à votre cœur aussi. Et avant je vais vous parler de la documentation, puis nous allons vous montrer les numéros, mais je vais vous lire quelque chose que je trouve intéressant ici sur la pochette du livre « Le Christ inconnu » de Gaston Racine. Il écrit « Dans ces messages qui restent toujours actuels, le lecteur est mis en présence non d'une doctrine, mais d'une personne, Jésus, pris au sérieux, Jésus crut et obéit à la lettre parce qu'aimé d'un grand amour. » Voulez-vous aussi entendre deux, trois lignes qui suivent? « Le réveil ou le renouveau envisagé sous l'une ou l'autre de ces aspects, la sanctification des fidèles, l'unité des chrétiens ou conversion des pécheurs, n'est pas quelque chose, mais quelqu'un, le Christ, qui est venu, qui est en nous, qui est là, tout près, mais que nous ne saisissons pas ou que nous ne voulons pas connaître comme il est. » Alors, ça promet ce livre-là, et c'est le Christ inconnu. Je ne montrerai pas les autres choses parce que vous les connaissez déjà, vous avez bonne nouvelle aujourd'hui. Vous avez aussi les leçons de Marie que vous pouvez demander. Les numéros de téléphone, je pense qu'on a le temps de les mettre très rapidement. Vous les notez et vous les gardez tout près, là, vous allez utiliser ces numéros-là. Ils sont à vous. Et revenez-nous, s'il vous plaît. Nous allons être là au rendez-vous. Ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine, au cours de laquelle nos invités seront Richard et Louise Bertrand et la chanteuse Dominique Charland et le saxophoniste Alain Audette seront de retour parmi nous. Nous espérons que vous passerez une agréable fin de journée et que vous nous reviendrez bientôt. Nous vous souhaitons à tous un bel au revoir. Au plaisir.